Laurent Déré, bonjour, meilleur ouvrier de France, sommelier en sommellerie, bien entendu. Vous êtes le nouveau président de l'ASLERA, l'association des sommeliers de Lyon et de la région Rhône-Alpes. Alors, déjà, félicitations, Laurent. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être président des sommeliers lyonnais. Surtout de passer après l'excellent Fabrice Sommier et l'incontournable. Alors, l'excellent, l'ami Fabrice Sommier, mais aussi avant lui, plein de grands personnages, Marisa Larousse, Daniel Denis qui s'en est allé trop tôt, Arnaud Chambos, meilleur ouvrier de France, Fabrice Sommier, meilleur ouvrier de France. Donc il fallait que j'assume mes responsabilités, j'étais vice-président, le président s'en allait, il a fallu assumer avec grand plaisir. Laurent, on est en période de remaniement, un petit peu d'humour. Alors quel est votre programme et quelles sont les activités prégnantes de cette année 2014? Le principal, c'est de maintenir deux niveaux, un niveau de professionnalisme dans l'association et en même temps un niveau de convivialité. C'est pour ça qu'au bureau, au nouveau bureau qui m'entoure, qui m'aide, il y a des sommeliers titrés de très belles maisons. Arnaud Chambos, je vous en ai parlé, qui j'ai demandé. Le roi de la moustache. Le roi de la moustache, le roi de Chénat et du Gamay. Et il y a aussi les grandes maisons comme Brasier avec Denis Vernot ou la maison Bocuse avec Mathieu Vial. Il y a l'efficacité, la jeunesse et le professionnalisme de Géraldine Carré. Il y a Betty Denis avec l'élixir à limonade. Il y a Betty Denis avec son expérience de chef de cuisine. Il y a Jean-Pierre Baraille qui est un professeur, il y a Frédéric Schaff, très bon cavista, à Écully et Master Softport. Voilà, du professionnel. Et en même temps de la convivialité, l'association des sommeliers lyonnaise, se veut un lieu de rencontre pour les différents professionnels du vin de la région lyonnaise. Donc nous avons beaucoup d'événements en interne qui nous permettent de nous rencontrer, de se connaître et de mieux se connaître. Maintenant, cette année, avant tout, il y aura le 50e. Ah oui, ça c'est la question que je vous posais, c'est l'épiphénomène, la cerise sur le gâteau. Oui, cette année, on a un grand événement pour nous qui est le cinquantenaire de l'association. L'association a été créée par Roger Borgeot, ancien meilleur sommelier de France, restaurateur dans les années 60 et qui a créé cette association lyonnaise, la première association de sommeliers en France. Et aujourd'hui, on se doit de rendre honneur aux 50 ans passés, aux différents présidents qui ont œuvré, aux différents membres de cette association depuis 50 ans, qui a fait que Lyon rayonne dans la sommellerie française. Et puis vous le disiez, vous le dites souvent plus exactement, le vin est réellement un produit culturel, à boire avec convivialité, modération selon la loi, mais également avec beaucoup de gourmandise et de fruits. Oui, c'est pour ça qu'on se doit, nous, professionnels du vin et membres de l'association des sommeliers lyonnais, déjà d'être des gens qui aimons le vin, qui aimons la convivialité, qui aimons le partager. Donc on ne doit surtout pas s'enfermer, d'où l'existence de cette association, et s'ouvrir sur la ville. Et en même temps, on est là pour amener de la connaissance. On se doit d'être des connaisseurs professionnels pour amener... Et des découvreurs également. Des découvreurs de nouveaux vignerons, et aussi d'expliquer auprès de nos clients, auprès des journalistes parfois, C'est quoi ce flacon, d'où il vient, pourquoi il est comme ça et pourquoi on peut en parler. Et c'est un produit culturel parce qu'on va découvrir son histoire, sa géographie, d'où il vient et pourquoi. Laurent Déré, merci. Non, c'est vrai beaucoup. Que lorsque l'on en entend un sommelier chroniquer un vin, on a souvent l'impression d'avoir des poètes. Merci encore Laurent. Je rappelle que vous êtes meilleur ouvrier de France, sommelier en sommellerie, sommelier propriétaire dans cette charmante maison qui s'appelle, rappelez-le, l'Auberge du Rue à Frontenas. À Frontenas en Isère. Merci Laurent Déré. Merci.